Alors, la Bible déclare que la sagesse, c'est le commencement de la science, raison pour laquelle je vais prier le Père éternel afin que tout ce qui sort de ma bouche soit inspiré vraiment par son Esprit Saint. Amen. Je voulais vous dire merci à toutes les personnes qui aiment ce que je fais, qui ne ménagent aucun effort pour commenter. Moi, je vois vos commentaires. Ne vous en faites pas. Je lis. Ça me prend le temps que ça me prend, mais je lis beaucoup vos commentaires. Les personnes qui aiment ce que je fais, qui m'encouragent, qui me suivent depuis longtemps. Et également aussi mes détracteurs. Moi, je regarde tout le monde. Il y a des personnes qui n'aiment pas. Je ne peux pas faire l'unanimité. Je ne peux pas forcément faire l'unanimité. Il y a des gens qui n'aiment pas ce que je fais, qui commentent de manière, mais alors là, vraiment odieuse. D'autres même qui vont jusqu'à m'insulter. Tu es très nul, on n'aime pas ce que tu fais. C'est normal. Et quand on est quelqu'un de grand, ça nous aide à avancer, ça nous amène à changer. Il faut accepter la critique. Je ne vous bloquerai jamais. Voilà. Donc, merci à vous tous. Je voudrais parler aussi à mon petit frère. J'espère que tu m'écoutes. Ghislain Ndorzué. Ghislain Ndorzué, mon petit, il faudrait que tu comprennes une chose, c'est que Yaya Vicenzo n'est pas l'artiste d'une famille, d'un clan, d'un quartier, d'un village, d'un pays. Non. Yaya Vicenzo, je me veux à l'échelle internationale. J'ai une autre dimension. Yaya Vicenzo, c'est pas l'artiste, je sais pas moi, d'un parti politique qu'on va dire, bon voilà, il obéit au doigt à l'œil, il marche la baguette. Non. Pour les personnes qui ont essayé de me côtoyer, elles le savent. Je suis un électron libre. Petit frère, moi on ne m'impose rien. Donc quand tu m'appelles pour me dire, oui, c'est l'anniversaire du fils du général, écoute, je ne marche pas avec les titres. Peu importe qui est cette personne, on me paye, on me respecte, et je respecte la personne. La Bible déclare que toute autorité vient de Dieu. Je respecte tout le monde. Si tu es ministre, tu es député, tu es ce que tu es maire, comment tu as fait pour être là, ça ne me regarde pas. Mais du moment que tu l'es, je me dois de respecter l'autorité que tu représentes et respecter aussi l'artiste que je suis. Maël Mbombé, quand tu m'appelles pour me dire que c'est l'anniversaire de ma gauche, tu peux faire une vidéo, s'il te plaît. Frangin, on pouvait être au lycée ensemble, mais c'est mon business. Parce que les vrais ennemis, c'est vous. Les vrais ennemis des artistes, ce ne sont pas les artistes eux-mêmes. Ce sont vous là, c'est vous les parents. Vous les parents et amis. C'est vous les vrais ennemis des artistes. Moi, il faut qu'on me paye, je vis de ça. Donc tu peux pas me dire c'est l'anniversaire de ta gauche, il faut faire une vidéo. Non, mon ami, busy, Ngambit. Tes fiançailles, où tu dis, habitué de boubé, fiançailles, c'est toi le maître des cérémonies. Frère, toi, tu peux me payer? Donc, à un moment donné, respectez les gens. Si vous passez un coup de gueule, mais il fallait que je vous dise ça. Respectez. Si les autres artistes vous ont habitué à ça, ce n'est pas Yaya Vicenzo. Je suis irresponsable. Il faut apprendre à respecter les gens. Voilà. Donc, moi, je vais terminer aussi en disant ceci, s'il vous plaît. L'an dernier, en 2019, j'ai pris part à ce qu'on appelait Gabon 9 provinces, qui réunit les artistes des 9 provinces du Gabon. Chacun veut représenter sa province valablement et tout. Ça s'est très bien passé. J'ai représenté valablement la province des mamans, la province de l'Ogololo. Bien que j'appartiens à deux provinces, le Haut-Togo également. Bref, je suis arrivé parce que, bon, on m'a harcelé, hein, mais je ne voulais pas, ils m'ont tellement harcelé, je ne voulais pas, parce que, bravo, moi, les choses publiques, je n'aime pas trop. Les choses où c'est organisé par, non. On sait comment ça se termine après. Parfois, on fuit avec le cachet des gens, pour aller prendre ton argent, il faut demander à tel. Je n'aime pas. Donc, moi, tout ce qui est populaire, généralement, je n'associe pas mon nom. Je préfère vivre dans le privé, prestations à gauche, mes trucs à l'étranger où on peut m'inviter. Bref. Mais j'ai pris part au Gabon 9 provinces l'année dernière. Parce qu'ils ont harcelé maman et maman m'a ordonné d'y prendre part. Maman m'a ordonné d'y prendre part. La Bible déclare que honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. J'ai honoré maman. Je fais ma prestation, je suis parti. Aujourd'hui, on a fait 4 mois de crise sanitaire qui a touché tout le monde. Le monde entier a été ébranlé. Le Gabon, c'est quand même 9 petites provinces, c'est 267 667 km². Le Gabon, c'est à peine 2 millions d'habitants. Je ne sais même pas si les artistes confirmés, les artistes qui buzzent, qui font parler du Gabon à travers les frontières, je ne sais même pas si on est 5000. Ça m'étonnerait. Aucune mesure n'a été prise pour accompagner l'artiste pendant cette crise. Aucune mesure n'a été prise pour la condition de l'artiste gabonais. Quand bien même on sait que c'est un ambassadeur de la culture de son pays, rien n'a été fait. Tant mieux. Vous avez voté vos lois que vous votez, tant mieux. Je répète, toute autorité vient de Dieu, on respecte. Mais s'il vous plaît, de grâce, quand vous aurez envie d'organiser quoi que ce soit, vos soirées, nuit de la musique, Gabon 9 provinces, s'il vous plaît, le jour que le téléphone de mon manager sonne, Yaya Vicenzo, le ministère de la Culture, voilà, je vais dire d'accord, rendez-vous, où est-ce que je peux les rencontrer? Je demande ma voiture, je viendrai. Toi qui auras appelé mon manager, je viendrai. On va se voir. Mais je t'assure que la manière qu'on va s'attraper, hein, j'espère qu'ils vont filmer ça partout. Parce que c'est maintenant le buzz aujourd'hui. Quand il y a une bagarre, on filme. Vous allez filmer. Si tu es fort, c'est bien. Mais tant pis pour toi. Parce que je vais t'attraper. Donc, laissez-moi, s'il vous plaît. Je ne vous embête pas. Ne m'embêtez pas. Laissez-moi tranquille. Je vis de mes prestations.
On m'invite dans un petit mariage, soirée privée, une gala, machin, à l'extérieur du Gabon, où on m'invite quand les frontières vont s'ouvrir. Il n'y a pas de souci. Oni Papalo matin à Washington DC. Eh hey, Oni Papalo, les voitures sont garées. Eh hey, Oni, eh hey, Oni. Ah, j'ai déjà son visa. J'ai déjà le visa. Oni Papalo, Washington. On arrive, Oni. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Ministère de la Culture, laissez-moi. Regardez. Regardez, je vais vous casser la gueule. Oh. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi. J'ai déjà parlé. Laissez-moi. Appelez vos artistes qui vont courir pour prendre 40 000, les 100 000 francs. Laissez-moi. Je vous ai déjà parlé. Merci beaucoup. Que Dieu vous garde.